Bonjour, bonsoir, amis internautes, comment nous y est? Il y a 23 Dominicains qui jouent une arrestation à cause de la fraude. Tendez, oui? 23 jeunes athlètes dominicains jouent une arrestation après qu'ils ont fait présenter faux documents, passeport, ambassade américaine dans Saint-Domingue. Passeport ça yo, selon toute information qui est menée, c'est passeport espy. Ça veut dire là, yo fait faux passeport espy, yo allé dans l'ambassade américaine, dans le pays Saint-Domingue, puis yo te ka jwenn visa pour aller aux États-Unis. Mais, femme ou bien, nous connaissons comme ces jeunes sportifs qui ont eu. C'est 23 moun qui ont été regardé sur l'écran là, c'est moun sa yo. Mais remarquez, nous pas ouais visage moun à cause connait. Nous on qui j'ai été ça en République Dominicaine, yo gien respect pour droit moun. C'est là haïtien, yo pas gien respect pour yo ka vivre en République Dominicaine parce que ou pas dans pays ou. Femme ou bien, les agents immigration yo a checké pour 23 jeunes athlètes dominicains sa yo. Parmi yon gen 6 femmes avec 17 garçons, les services enquêtaient sous fraude dans l'ambassade là, qui te alerté autorité la justice yo. Gen yon jeune sa yo, te di gon groupe moun, ka fè fraude, ka fè faux documents, sont là tout. Fédération Dominicaine Judo te déposé en plainte. Pour moun ka fè fraude pour partir avec faux documents sous nom fédération les 23 jeunes sont arrivés étant donné te gen ta gen plainte qui déposé pour yo déjà yo vérifier tout document le regarder yo wè son bonne jeune parmi yo gen 6 femmes 17 garçons qui t'a tenté voyager avec faux passeport. Yo pas espagnol tout bon vrai. Yo fait faux document, yo façon pour yo aller mander visa pour yo parti sous nom fédération si là. Mes amis, dans moment parler là, 23 jeunes ça yo nommé la police. Yo arrêté yo pour yo pas jamais faire ça encore. Yo arrêté moun ça yo. Nous tout connais dominicain yo bon nan fè fraude yo c'est un pays là nous connais gen pizam qui passé gen son pays c'est vrai gen bagage pa rentrer en République Dominicaine mais sortir la sortie bien facile oui la sortie bien facile la justice attendé yo et nan 23 moun sa yo la justice fè konnen y a attendé yon premier groupe jodi vendredi là pour connait combien moun ki nan réseau si là qui est-ce qui ba au passeport ça qui est-ce qui ba au faux document pour voyager sous fédération dominicain judo qui t'a déposé plainte pour moun sa yo bagala grave bagala empiré en République Dominicaine et le plus grave pour haïtien ka vive en République Dominicaine. Gon bagay m'ap tande sou rezwa la, moi-même m'ap men anket pou m'konnen est-ce que c'est vrai? Parce que faut a di m'tande dominicain yo, ouais bien précisé. Dominicain yo. Yo di yo bay haïtien yo jusqu'à 90 jours pour quitter pays ya, pour quitter République Dominicaine, si toutefois yo pas quitter y a utilisé n'importe forme pour qu'a quitter pays yo. Est-ce que c'est vrai? M'a mené enquête pour m'ka connait est-ce que ça m'tendé a c'est réel. 90 jours dominicain bay tout haïtien pour quitter République Dominicaine si yo pas quitter y a utilisé n'importe forme sous nous le bay de nous sous haïtien yo dans la ria n'importe côté. Yo croisé avec yo. Qui ça? L'État haïtien dit. Ne parle ça. C'est plus gros question.
qu'à poser là. Entre temps, qui t'aime nous connaît, Léon Charles fait une grosse déclaration. Léon Charles parlait, nous connaît, mais c'est diplomatie, c'est mon cap représenté Haïti là. Après, il était quitté tête pour l'islam, il était tourné comme diplomate. Et Léon Charles portait parole au gouvernement devant un bon diplomate dans une réunion spéciale. Il vient qu'on est, canal là, pas campé. Et le rappel dominicain, Haïti, c'est le premier peuple noir qui libre, qui bat indépendance. Oui, faut nous respecter haïtien yo. Elle fait qu'on est canal yo pas campé. Haïti a construit plus canal toujours et l'a égal ego. C'est nous même 12 canal et nous même n'a gain 12 tout. L'a égal. Oui, elle dit président général assemblée canal là pas camper. C'est ça, oui, il dit. C'est parole gouvernement PM Ariel Henry poté. Voilà. À travers parole ça. Léon Charles parle là. Faut que PM Ariel Henry t'a tout poté si pas ben moun wana met voyez ingénieur sous canal là poté si pour nous et ensuite pour travailler là continuer et voyez décéder Angel Lou pour nous fouiller plus que notre canal toujours. Clé, pas de débat sur ça. En attendant, Léon Charles, qui t'a pris la parole, qui fait qu'on est canal là, pas campé. Président, oui. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Clé, allez répéter là encore. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable. Clé, non, Artie John, tout n'est pas ça, Artie John. Ouais, là, monsieur, parle bon parole. Hein? Un bon content de discours net. Et m'dedans un petit cal là-dedans. Et monsieur parle bon, monsieur parle bon. Même si son bagay au bal, li men li bien, li propre. Fon répond kembe ça. Donc gouvernement nan OEA li dit que canal la pape campé. Son douane gagné pour nous construire canal yo. Et bon seul, canal yo fon construire plusieurs. Et ouais, et ça faut mettre accent sur équitable. Qui donc égal égo, juste et équitable. Égal égo. Yo gen 12 nous gon seul, gen 11 pour nous fouiller encore. Parlez ti John. Et on allez, la boîte de l'eau, temps en temps, la boîte de l'eau. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources à nous partager de la rivière Massacre. Conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays. Car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Claire. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire, trois fois le deal là. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Claire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressé au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue étant un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président,
la construction du canal sous la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Claire. Les Haïtiennes et les Haïtiens sont en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Rete. Canal là, pas campé. Ah, mon battant de discours. Ti John, tourne ça encore, Ti John. Même battant de Ti John, battant de discours. KPK le dit, oui, oui. Mon si Léon Charles parle avec, il pas en mime, mais s'il parle avec moi. M'tap dit tout profiter pendant OEA et faut retourner sous ça. Oui, son coup de main, bay Léon. Là, on bay un petit coup de main. Faut retourner sous ça pour nous, parce que l'autre bataille à mener. Yo fait cas de Jacques, son jeune femme haïtienne, en dans aéroport Las Américas. Et m'gon reportage que m'gal passe sous l'île à talè. D'ailleurs, gon campagne a fait contre nous là. Pas gagné d'ici émission ça, on va descendre ni talè. Parce que on campagne a fait là, yo pas voulu ne parler vérité avec mode là. Si Léon dit que là dans OEA là pral parler, n'a dit Léon songez ça, mettez le dans discours tout. Tout rappeler OEA, non seulement il a violé droit nous, c'est pas violé droit seulement comme si repousser Uber non, il a fait cas de Jacques sous nous tout en dans aéroport international. Et qui est-ce qui fait ça? Yon agent immigration qui gen bureau le même en dans aéroport. Ouais là Léon faut ba non ti goutte maintenant ça tout dans OEA. Faut rappeler zanmi an sa comme cher le Louis Amago et ba on sa rele. Faut parler zanmi an pour dire mon cher, c'est pas ça seulement yo fait nous. Mais gon dossier, nous gen deux dossiers n'a traité là, deux dossiers ka déjà. Gon médecin gynécologue, n'te passé ça là. Faut me voyer ba ou Léon pour ka wè ou ça m'a parlé là. Faut aider tout, faut aider nous. Parce que là, nous, même mon avocat, nous besoin de pas nous pour nous rejoindre. Et nous besoin de l'argent pour nous faire un dossier ça. Faut parler avec nous, Léon, là. Faut qu'on aide. Parce que la vie de fille a menacé. Même document, nous faisons jusqu'à présent. Prétexte que elle t'a voyagé avec faux document. Et puis, nous faisons pris talent d'aéroport. Sous l'église, ouais, sous la guette, ça seulement dans le discours. Et sans sous son t'a fait, vous dire. Et sans où son t'a fait. Vous comprenez? Bon, mais pas, ou à retourner sous lui. Et faut me tourner bah ça à côté ou pour rappeler président, moun sa ou pas bon moun. Mais ça va régler en dedans yo pour la caillou. C'est pas côté ou moun aller. Côté ça, à côté moun aller, non? En solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK. Claire. Canal là, pas campé. Ah, on finit. La construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. Vous finissez de parler, dis-vous finissez. Oui? La construction del canal ne va pas arrêter. Si. Ah, claro que le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire. Claire. Sans faire le compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine. Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Claire. Je vous remercie. Merci. Bon discours. Non, bon discours. Bon discours. Gouvernement livre un bon parole là, dans OEA. Donc, Léon pote parole là, monsieur bien parlé parole là, li bien dit ça la dia et puis la paix, KPK, canal a pas campé et son vérité, pas rien campé. T'es rien campé? Non, pas rien campé du tout, au contraire, ndou bagay ça. C'est parce que ça me besoin haïtien comprendre. Haïtien yo, gèlè poko comprendre dimension bataille là. Sous quoi? Visa, oui, pas acheter visa. Et yo mette embargo sur matériel électronique, ça veut dire, ou pas acheter. De République Dominicaine de matériel électronique fait ciment avec ciment et puis tout l'autre produit pour parler de construire canal là et puis il y a réduit main d'œuvre haïtien et haïtien quoi gagner des équipements que prévoit acheter pour bail secteur monde qui dans secteur agricole là en façon pour capable réduire main d'œuvre haïtien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Qui clair. Ça veut dire moi-même. Eh bien, non, nous ne sommes pas conscients de ça. Je suis sûr que ouais, dans cette année-là, dans toute brigande annuée-là, République Dominicaine, mêle bien fond là-dedans.
Je pas vrai ouais non. Même parce que c'est opportunité tout République Dominicaine ban nous. Ouais, pendant n'a dit Abinadel comme ultranationaliste, il très raciste, il très Michel très pas vrai. Mais il ban nous une possibilité pour tout nous au moins réveiller pour de bon. Mm-hmm. Oui. Tant que par exemple décision ça yo monsieur prend là bon peut-être capable dit quelque part les causer toi ou bien quelque part li rend nous inconfortable mettre nos situations difficiles mais quelque part tout li ban nous possibilité OK pas un problème ou fait ça et ben nous même pas juste ça n'a pas oui oh, mais connait c'est l'organe des autorités qui sans vision qui ah, oui, ouais, ouais, ouais. Qui peut-être gain mais avec pied au mari dans pied table rive dominicain donc le ça c'est quand vous c'est pas laver monsieur à terre. Ouais. Élection map tan nan, c'est des listes candidats qui apparaît dans l'argent dans la République dominicaine. Dans mon série de gros autobre l'autre bois, dans mon série de films pour qu'ils ont connaît pour les voir gagner des contrats. Vous comprenez, vous capable bail et film dominicain au contraire. Vous comprenez, il a trié. Dominicain qui est candidat à Haïti. Si. Au moins la République dominicaine gagne deux candidats. Deux candidats. Pour Haïti dans l'élection qui vient là. On a le temps d'Edwin Parizeau. Attendez, Edwin Parizeau, on était parlé dans le micro, Michel Alexis. C'est des mesures, dans certains aspects, qui viennent pratiquement isoler Haïti, qui viennent bailler plus problèmes que porter solution. Nous, la première mesure, là, l'IPRAL crée un fonds pour la mécanisation du travail agricole, pour réduire l'usage et de la main-d'œuvre humaine. Bon, ça, c'est une idée que la République dominicaine gagne depuis des années. Il y a besoin de faire pour la Coupe de la CAN, il n'y a pas jamais arrivé à faire. Deuxième mesure, il va renforcer la présence militaire à la frontière. En plus que nous connaissons qu'il y a construit et que il a envoyé près de 10 000 effectifs à la frontière. Donc, il va renforcer la mesure ça pour empêcher que gang ta fini réfugié du côté de la République dominicaine pendant que troupes kenyennes y a débarqué. Troisième mesure, et ça c'est lui qui un élément qui est beaucoup plus intéressé nous-mêmes en Haïti, c'est la fermeture migratoire. Il dit que mesure ça liwe la fermeture pour empêcher que des moun à partir du territoire haïtien ta ka traverser vers le territoire dominicain. Donc la fermeture migratoire qui a été décrétée depuis le 11 septembre li kembe. Quatrième mesure qui kembe, c'est la suspension définitive de visa dominicain pour les haïtiens. Donc il a reconfirmé que pas de visa et de façon indéfinitive, il y a par contre reconsidérer mesure ça, mais tout consulat et bon par contre est-ce qu'il a fait un consulat yo parce que consulat yo il fait l'autre travail tout d'assistance à la communauté dominicaine qui est en Haïti hein. Mais pour en ce qui a trait à la question de visa, pas de visa de façon indéfinitive pour tout haïtien. Et puis cinquième mesure, ça sont mesures tête chargée net parce que le Conseil de sécurité prohibé l'exportation vers Haïti de ciment fait appareil électronique avec d'autres éléments. Mais ça qui intéresse nous, c'est ciment avec fait. Je dis très clairement, c'est pour éviter qu'en Haïti, nous qu'a construit des infrastructures qui qu'a constitué des menaces pour l'environnement. Donc, ça veut dire que ça n'a pas actuellement dans le canal là, sont menaces pour l'environnement. Et puis, sixième mesure, et il va créer des corridors commerciaux. Ouais, dans quatre points frontaliers que nous connaissons déjà, yo. Jimani, et Elias Pina, Pedernal, avec Dajabón. Mais qu'à travers de points et de corridors commerciaux, il faut que nous passions par un processus biométrique. Donc, pour aller dans pile contrôle. Mais alors là, moi, l'antique est contradictoire. Parce que je t'ai dit que fermeture migratoire, là, l'Ikembe. Donc, nous ne pouvons pas traverser d'un pays en l'autre, pour le moins par la frontière. Et puis, septième mesure, là, il va contacter le département juridique de la présidence pour que il mette sur pied rapidement et le règlement, son sort de loi qu'il va prendre pour le fonctionnement ou la gestion des marchés frontaliers. Il n'a pas utilisé le mot marché binational. Là. Donc, demandez-nous comment marché ça va fonctionner si fermeture frontière en ce qui a trait à la question migratoire maintenue. Et non plus, et mesure ça y a pas dit nous, est-ce que les frontières maritimes et aériennes sont rouvertes? Donc, et sans pile question, et qui pour qu'on clair, et nous, ouais, que, et ça qu'a fait là, hein, eh bien, aller vers un durcissement de la politique dominicaine face à Haïti. Waouh! Ouais, discours ça?
son bel discours. Moi j'aime discours ça yo. Et ambassadeur c'est le même gars là tout lui là London assemblée là attendez. Ça clairement dit PM Ariel Henry li campé raid avec moun Wanamet KPK canal yo pas campé. Clé. Canal yo pas campé mais nous besoin support. C'est vrai. C'est première fois oui pour peuple haïtien campé. Yo prend décision pour prendre ce yo en main et tout pour l'état à marcher vinn joine population dans une décision qui reprend pas rappelou canal là il était là il t'a fouillé sous gouvernement Jovenel Moïse nego fait ça au connait avec Jovenel Moïse touyel car la vinn camper moun wa met quoi ça il dit nous besoin de l'eau nous pas gagne de l'eau pour nous faire jardin on met maintenant pas là. Je suis capable de continuer le canal là pour nous jouer de l'eau dans le rivière massacre là. Nous venons jouer un journaliste qui filme, qui l'a sur le réseau. Et tout, nous jouons une diaspora. Commencer à bailler l'argent pour le canal là. Tout le monde net vient entrer dans le canal là. Mais quand là, nous sommes pour la première fois. Marquez ça dans l'histoire nous. Pour la première fois, le peuple haïtien prend une décision. Prend une initiative. Et tout. Pour l'État à marcher, joindre le peuple haïtien. Non, l'initiative qu'il prend là. Ça sont belles bagailles. Et discours ça, nous tenons Léon Charles. Comme vous avez dit, si Léon Charles a fait, c'est vous qui ouvrez le bali. Gouvernement est comme bagaille, vous le bali Léon Charles pour Léon Charles répéter. Parole, gouvernement. PM Ariel Henry, c'est vrai. Même qu'on va tellement, ou pas crédible, m'a dit tellement, ou pas crédible, ou son menteur, ou son tchoul, ça, son belle déclaration, son bel discours. Son bel discours lié là, Léon Charles, et n'a pas de bravo pour parce que, ou pas détenir parole là, et m'a remarqué dans le discours ça, lui répéter à plusieurs reprises, canal là, pas campé. Si toutefois, président assemblée a, pas attendre. C'est ça qui arrive. Il va attendre la première fois, deuxième fois, il va attendre. Et troisième fois, il va retenir attendre encore. Oui, il va attendre. Pas gagner pas sur ça. Et femmes ou bien, quand elle a un gros défi, la donne. C'est lui qui a battu le levé là. Nous connaissons. L'on a fait la fête. Ou pas qu'à courir faire comme ça. Les droits entrer. Il a fini de faire des dégâts. Pour éviter les dégâts, il faut que nous prenions nous, prenons nous pour faire le canal là. Oui. Et Léon Charles rappelé que il y a un traité qui était signé. Gouvernement Luis Abinader là, il a fait tout moyen possible pour le dévier de loi. Entendez, Léon Charles parler de ça. Et Sabella, là, il ba date. Et Luis Abinader était fermé barrière sous nous. Il ba date. Là Luis Abinader vient faire pression sur nous sur frontière. Li bay dat, le Luis Abinader débarqué avec Angel Lou pour ka dévier gloa. Ça veut dire la pas gen menti dans ça, pas gen débat sous ça. Canal là pas campé. On a continué tendez Léon Charles qui t'a porté parole gouvernement devant yon bon ambassadeur diplomate alors dans une réunion spéciale qui fait là et parole ça il était supposé parler depuis longtemps. On a continué attendre pour attendre là. Pas hésiter like, abonner, peser sous cloche notification, retirer sous personnalisé mettre sous tout pour les nouvelles vidéo pour pas rater. On a continué attendre Léon Charles qui t'a porté parole gouvernement devant assemblée. Léon Charles, monsieur fait mon saisie. Non, monsieur fait une saisie parce que Léon Charles, monsieur parlait. Nous t'a suivi le journal dominicain. Et puis, où qu'on est? Yo même yo là, yo présent.
Bon, moi-même, je fais ça me café. Je vais être même capable. Comme citoyen. C'est vrai, oui, journaliste, mais le citoyen prime. Est-ce que ça va passer là? Quel que soit haïtien, dans quel que soit secteur, quel que soit catégorie, eh ben quel que soit rang social ou, nous tous doués concernés, parce que là, on haïtien qui vont côté humilié, c'est nous tous qui concernés. Nous avons suivi le journal dominicain, côté que il y a un pile palais. Ouais. Il y a des alertes de Dilou Luxon. Où est-ce que vous avez pour lui, papa? Dis-nous plus, oui. Dis-nous plus. Dis-nous plus. Et vieux monde pas me lié, vraiment. Tendez bien. Journal dominicain, yo, qui très présent. C'est dossier canal là qui kembe actualité en République dominicaine. Gen un article que m'a regardé sur Diario Libre qui dit que haïtien yo affirmé que frontière là dans Darbonne l'a prêté fermé jusqu'à ce que gouvernement yo qui donc Haïti et République dominicaine yo trouvé yon entente. Et m'a dit ça. M'a dit ça clair. Comme petite, comme voix peuple là. Nous pas entente avec Abibi. Sou Abibi a cherché entente kounia, c'est parce que monsieur Wel kase dan. Monsieur te fon bagay en gros pointet. Puisque le con est grand pile haïtien ti sousou grand pile ti sousou vrai. T'as que je m'a regarder magistrat on a mettre là, il va fin bon moun. T'as dit monsieur maintenant tête li. Le fait que haïtien yo tout dit nous grand goun vision ba kembe. Monsieur réagit comme ça. Et le con y a monsieur ouais haïtien yo décidé pour kembe tête yo. Monsieur besoin pour négocier. Comme pas vous voir. Et m'a dit ça clairement, avec toute franchise. Nous n'avons pas gagné pour négocier avec Abinadel. Nous avons seul bagage pour nous faire pour l'instant. Assurer que nous garantissons la sécurité citoyenne en Haïti pour nous gérer les frontières. Chercher l'autre partenaire pour nous faire échanges commerciaux. Si n'a rien pour négocier avec la République dominicaine, n'a fait le Abinadel passe au pouvoir encore. Et Samdou la prend le fait TikTok avec lui. Seule façon pour haïtien négocier avec la République dominicaine, si et seulement si Abinadel pas président encore. Parce que l'homme garde réaction paquet dominicain. Bien dominicain, en pile dominicain, le peuple dominicain. Pas de problème avec haïtien. C'est le raciste Abinadel qui n'est même pas un dominicain. Tu es venu, il vini. Monsieur pas dominicain. Et d'ailleurs, bon journaliste qui est Ingrid Jorge, en femme, il casse maintenant mes Abibi. Il rappelle que c'est albinos, il pas dominicain. Il rappelle ça, oui, bon journaliste. Moi, je vais te donner un petit là-dedans. Ah, moi, c'est fâché. Ça veut dire que. Seul moyen pour Haïti négocier avec la République dominicaine, faut qu'Abinadel, pas président encore, ait un autre gouvernement et n'a décidé pour négocier bagayo et yon nan bagay pour négocier avec la République dominicaine. Ça fait question, checker passeport chaque mois, son vol organisé, faut yon finak scandale ça. Respect, dignité, caractère, personnalité. Bagay sa ou pas vendre de marché. C'est ou même qui crée yo qui fait yo. Ouais, je dis là, c'est pas du olé et n'ka constate l. Moi, c'est. M'bavle dit moi seul, non? Même c'est parmi
moun ko ka pran comme référence sou réseau social yo la. Li difficile pour wè gon bagay ka parler d'Haïti pour pa wè nan moun y a tag yo pou m'baladan. C'est bon matin le rete Elvin comme ça. Moi travaille ça pour me gagner. Ça dit respect, personnalité, caractère, dignité. C'est pas bagaille yo vann nan tè, yo vann nan marché. Ça dit nous en face on est qui pa renmen nou. Bon et ça me t'a dit avant hein. Comment d'accord pour manger dans mon nèg qui ennemi nous. Nous n'a joie avec vente, nous n'a joie avec vie nous tout. Ou pas ka manger dans mes ennemis ou. Parce que moun yo pas besoin nous. M'attendé magistrat Santiago Abel Martinez k'ap pale. Monsieur reconnaître que c'est boss là. Mais le sentiment patriotique l'oblige. Nèg la obligé défendre pays. Mais il reconnaît pas gen commerce, pas gen business sans Haïti. Yo konn ça. Et m'pral fè entendre tout à l'heure la quelques réaction. Abibi trouvé l'anti soulier pour l'instant. Haïtien doit continuer kembe flambeau résistance là. Nous sommes peuple qui passe misère. D'ailleurs, si nous sortons dans l'esclavage, nous résister. Faut continuer faire résistance. Et foi ça, c'est une résistance qui a mené nous dans niveau pour nous reprendre escamp figuine nous t'ai perdu. Et une nan bagay nous constater, nous faire sans l'état obligé vinn joindre nous. Ah, notez ça hein. Ça bon oui. Attendez oui. Combat nous mené sans l'état. L'état qui senti que nous mettait le dehors, l'état vinn joindre nous. En règle générale, c'est l'état qui doit bailler coup d'envoi pour nous t'al joindre l'état. Mais dans cas ça, c'est l'état qui vinn joindre nous. Parce que l'état, même l'état pas nous ouais que s'il pas vinn joindre nous, il compte nous l'a trahi nous et l'a dehors. Parce que haïtien d'accord pour le souffrir, mais pour le kembe respect avec dignité, pour le prendre responsabilité. Pour yon foi dans l'histoire nous. Depuis 1804, pour yon foi on marqué page l'histoire ça face à Abibi. Yo son albinos qui pas respecté nous comme moun. Yo humilié, yo maltraité, yo fait cas de Jacques Sounouane dans aéroport yo, y a humilié jusqu'à présent. On rete là pour l'humain. Flambeau libération, flambeau dignité, flambeau personnalité, Anne Kebel, flambeau résistance là. Attention, ancien directeur général police là, m'a baissé avancer le bout de l'essentiel. Léon Charles, regardez côté Léon, t'as vu nous parler dans l'émission là. Mais m'a obligé parce qu'il dit mon cause oui là. Il dit bon parole et bon parole il m'a cherché. Il pas vendre nous non là. Si monsieur te vendre nous là, là m'tap salon bien là sur là. Parce que moi c'est pays m'a défendre et bon nèg m'a défendre. Si monsieur te gain malheur là pour la dou bon, c'est négociation, la blalose, même Jacques magistrat va dans mettre là cap la lose là. Que m'gétan lui-même projecte sur monsieur oui. M'gé pour m'vienne li baptiste monsieur pour nous. Parce que là dans nos rangs point de traître. Répétez ça dans les oreilles magistrat voilà mettre là. Dans nos rangs point de traître. Bien bien comme ça. Dit si Léon Charles après-midi a été traître nous. M'ba bon menti, il t'a mal dormi. Non, il t'a mal dormi. Il toujours attend des émissions. Il t'a mal dormi. Mais là ils font bête, faut nous dire ça. S'ils font un coup, faut nous dire ils font un coup. Vous comprenez? Parce que camper devant eux à vous parler pour dire parole l'argent lié, quand même son gros coup, faut apprécier ça. Entendez un extrait dans l'intervention de Léon Charles. Au conseil des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sous la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen. Là, mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine »,
publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite, « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr. Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différent opposant de la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les crues de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribao, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de contrée Bernard plusieurs affluents, prenant naissance dans le versant haïtien de la cordillère centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gèse de Nantes et la rivière La Mine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón,
dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929, à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Clair, ça les important. Les travaux du canal ont véritablement démarré le 2 avril 2021. Mm-hmm. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ces travaux, mm-hmm. arguant qu'il s'agissait. Oui, on a continué, lui. La nation haïtienne s'est rendue à Santo Domingo mm-hmm. en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ses considérants il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bamaribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Dajabón Moyamén. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. On regarde la topographie. Non, attendez bien. Je ne vais pas attendre les paroles là. Ti John, tournez-y ça pour nous. Alors, Léon Charles, c'est pas parole il a répété, c'est parole gouvernement, l'hypothé. Donc c'est porte-parole gouvernement dans OEA. Donc c'est parole gouvernement. Mais l'hypothé. Parce que il y a des qui ont dévié parole yo tout. Monsieur porte parole là. Vous comprenez ça, il est bien potel, il est bien parlé. Et ti John tourne ti parti ça, et ça me remet lui, me remet ti parti ça. Construction, il pas camper. C'est ça il dit, oui KPK, il pas camper tourner encore ti John. À mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Mm-hmm. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, mm-hmm. la construction du canal ne va pas s'arrêter. Au regard de la topographie de la rivière Massacre, attendez ça. D'une part, uh-huh. ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre. Claire. Rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres,
aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Claire. Il condamne fermement le récente décision d'agrandir le canal de la Vigia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Claire. Un gros bonnet, yo monté sous lit, et ça te fait m'dou, moun sa yo, nous pas gagne ken bagay ke nous bral di ak yo. Yo pas respecté, yo passé dans papier. Lè gon l'autre gouvernement vini, et na négocié avec yo. N'a gon l'autre gouvernement vini tout. Parce que Ariel pas utile en là dans le pays, il faut qu'il y aille. C'est-à-dire, lè gon un gouvernement tout neuf haïtien qui monte, lè gon un gouvernement tout neuf dominicain qui monte, na chitak moun sa yo pour négocier avec yo, mais faut bien négocier. Faut bien négocier parce que on ça pas respecter nous trop ou là ou bien parler ti John ou bien parler.